Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Inspire Hebdo, une vidéo par semaine, vous connaissez le concept. Je vous propose un thème, aujourd'hui la puissance des questions, et puis vous interagissez au terme de cette vidéo avec un commentaire, un lien vers un article, une vidéo, quoi que ce soit, et nous échangeons comme ça nos inspirations, c'est ça qui fait la richesse de ce concept. Alors aujourd'hui, je vous propose comme thème la puissance des questions. Alors pourquoi je propose ce thème? Eh bien simplement pour vous dire ce qui m'inspire, bien sûr, et ce que m'inspire la puissance des questions à travers peut-être d'ailleurs toutes ces années de pratique, d'accompagnement, c'est qu'une question peut tout changer. C'est-à-dire que les questions sont pour moi un petit peu comme des vecteurs, si vous voulez, de pensée. Ce qui est force d'une question, si vous voulez, c'est qu'elle va permettre d'aller ouvrir des fichiers, c'est-à-dire des conceptions nouvelles. Nous sommes faits, évidemment, d'automatismes. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, par la question, on peut ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que les questions vont nous amener soit sur des nouvelles possibilités de prise de recul sur ce que l'on pense. Ça peut nous amener aussi à changer de comportement. Ça peut nous amener aussi à ressentir les choses de manière différente. Simplement parce qu'on va orienter la question sur quelque chose de puissant, c'est-à-dire sur une recherche d'informations auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple, imaginons que j'arrive dans une situation où je rencontre une situation compliquée. Par exemple, je ne sais pas, moi je retrouve ma voiture abîmée. Alors évidemment, je peux me dire qui a fait ça, pourquoi ça m'arrive aujourd'hui, ce n'était pas le moment. Bon, ça, ce n'est pas des questions très riches. Mais je peux me demander aussi pourquoi, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que finalement cette problématique me révèle d'important pour moi? Qu'est-ce que cette situation va me permettre de gagner, de trouver, d'enrichir peut-être dans ma vie, de changer dans ma vie? Et vous voyez, ce genre de questions qui peuvent paraître au départ un peu dérangeantes, probablement d'ailleurs parce que je suis affecté par la situation, donc du coup, je ne suis pas câblé sur un bon niveau, vous voyez, de questionnement. Mais la force de ces questions, c'est que quand je les connais, elles vont me permettre de tirer vers le haut, de transformer ma perception des choses, mon sentiment et parfois mes actions à travers ça. C'est ça que je trouve puissant. Enfin, une dernière chose comme ça que j'ai envie de dire dans cette inspiration autour de la puissance des questions, eh bien, c'est le fait qu'il y a vraiment des étages. Il y a des étages, je me suis rendu compte dans ma vie à quel point quand je vais mal, eh bien, je ne me pose pas la même question que quand je vais bien. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, ayant découvert ce phénomène, eh bien, quand je vais mal, si je me repose des questions qui sont plutôt positives, au fond, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, qu'est-ce qui est intéressant, etc., eh bien, je me rends compte que, à force, mon système de perception, mon système de sentiment, mes comportements, eh bien, vont évoluer. Et ça, je trouve que c'est vraiment fabuleux parce que c'est une clé immense vers de nouvelles portes. Voilà ce qui m'inspire autour de ces notions de questions. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Donc, si vous avez envie de partager sur ce thème, si vous avez envie de laisser un commentaire, si vous avez envie de partager un lien, une vidéo, un site internet, eh bien, écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est le concept de cette vidéo, Inspire Hebdo. Vous voulez aussi vous abonner, bah c'est très simple, vous pouvez cliquer sur les petits boutons, attendre peut-être la fin de la vidéo, vous aurez un petit cadeau de bienvenue si ça vous intéresse, et puis au grand plaisir de vous retrouver. Très bonne semaine et surtout prenez soin de vos questions. Merci.